Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer une réalisation tout en bois de l'optimisation d'un espace d'une chambre d'enfant. Dans lequel on a créé un couchage, des jeux et un petit bureau. Alors c'est pour des petits enfants. J'ouvre la porte miracle, on voit ce qui se passe derrière. Donc, vu de loin, voilà l'espace. J'ai la partie basse, c'est pas possible. Hein? Oui. Attends. Et la partie basse en dessous là. Voilà. La partie basse. Petite bibliothèque pour optimiser. Hein. Faut tout optimiser. C'est pas facile. J'ai pas de recul hein, donc pour faire un truc correct. Là, en dessous bien sûr, un toboggan, une piscine à balles, une petite loge dans le fond. Et cette piscine à balles est bien sûr accessible par l'enfant, petite chaise, petit bureau voilà, aussi, je vous montre par là. Donc là, on monte l'escalier, on arrive sur la partie haute, qui est tout simplement le couchage. Tout est sécurisé en hauteur, hein, ils ne peuvent pas tomber ni rien. Petite bibliothèque derrière, ici, on continue toujours sur la partie haute. Voilà, petit stockage. Et là, ça peut être facile pour moi, mais je vous montre quand même. Je monte encore. On arrive là. Vous voyez là, on arrive sur le toboggan. C'est sombre. Qui atterrit directement sur. Et là aussi, une petite cachette derrière. Chut. Voilà. Donc voilà. Petite. Ouais, papy, il est là-haut. Ouais. Il montre ce qu'il a fait, papy, pour la chambre des petits-enfants. Des petits-enfants. Voilà. J'espère. Oui, je vais venir après. J'espère que cette réalisation vous aura plu. C'est simple, c'est en bois, c'est l'optimisation d'une chambre d'enfant. Alors sur ce, je vous laisse à vos bricolages, à votre imagination. N'oubliez pas l'univers des enfants, c'est vraiment, vraiment super important. Et on peut leur faire quelque chose d'agréable avec quelques planches de bois. Allez, à ciao et à toutes et à tous. Merci.